Mais attends, je ne comprends même pas tous ces gens-ci-là. Yeah On m'a donné un, un pasteur qui t'appelle, et te dit que. Un pasteur t'appelle, il te dit que... Il t'écrit. Le plus, c'est que c'est eux qui écrivent les gens sur Facebook. C'est eux qui écrivent les gens sur Facebook. Ils t'écrit, ils te disent qu'ils ont vu que tu vas mourir. Quelqu'un qui allait travailler ton nom a donné 200 000. Donc, pour qu'on enlève la malédiction qu'elle a travaillé sur toi, il faut aussi 200 000. <laughs> yeah Jésus. Oh, où sont mes yeux-là? <laughs> Et la personne panique, et voilà qu'un coup de de prendre 200 000 euros. Elle envoie quand la personne lui pose un problème. Il est il est peu suspect. Quelques jours après, on lui dit qu'on va lui mettre un programme. Quelques jours après, on lui dit qu'on veut empoisonner sa mère. Il faut encore envoyer de l'argent. Mais ces pasteurs sont sans sans scrupule. Hein? <laughs> Mais comment ils font pour avoir le de d'escroquer les gens comme ça? Yeah, yeah, yeah. Mais même. Pourquoi on vous donne des prophéties en disant que, attends, si Dieu me montre le mal sur toi, est-ce que pour te délivrer, il faut l'argent J'ai besoin d'argent pour te délivrer. Je peux te délivrer, Dieu t'impose à toi-même de sceller la délivrance toi-même, selon toi. Mais c'est quelle histoire que je te dis que tu es malade, mais il faut donner tel montant pour que j'enlève le mal Attends, les 200 000 que la personne avait envoyé il faut 200 000 chez le prophète pour que ça change. Aïe Aïe Oh my God Dans tout ça, tu payes. Et puis, dans ce que tu payes là, on vole encore ta destinée. On vole encore ta destinée. Quand on dit qu'il a payé 500 euros pour la délivrance de sa fille. Hé! Hey, hey, Jésus, Hé! Hey. Voilà ce que je suis venu dénoncer là. Vous ne pouvez pas m'aimer. Ces escrocs là, vous ne pouvez pas savoir.